cocina, o sea, ayudante de cocina, profesora Sonia Soto, se pu tut elef que na tercer nivel básico, que el que es una tercer nivel básico B, una tercer nivel básico A, eh bien, ya sa se pu se dia trois. No app mete nono, mete classe la et mete fecha. Fabrique, no tercer nivel se va tout le monde qui est cocina, il y a monde qui te choisi électricité et qu'il y a monde qui te choisi cocina. Si toutefois ou te choisi cocina, eh bien, pour apprendre guia ça pour évaluation pour le trimestre. Objectif guia ça, c'est pour capable connaître les aspects les plus pertinents qui impliquaient dans le nettoyage, la sanitisation et puis dans le nettoyage plantio avec la cuisine. Après, là, il y aura un texte qui est très important pour nous lire, qui parlait de nettoyage et sanitisation de plantes et puis cuisine. Nous devons lire le texte et puis, on a besoin de quelques définitions. Il y a une définition hygiène, définition nettoyage, définition sanitisation, il y a un type de contamination des aliments. Et bien, on dit que il y a plusieurs types de risques, risques chimiques, risques physiques, et on dit qu'il y a risques biologiques, risques biologiques. Et puis, on a quelques étapes et qui est capable correct lorsque nous avons lavé les mains. Comment pour nous laver les mains, nous avons une étape. Il y a une étape, il est très important pour nous lire le document de manière complète. Et il y a quelques étapes dans l'obligation pour nous capables de nettoyer l'espace côté nous hier. Pour nous capables de bien nettoyer. Il y a quelques étapes. Comment pour nous faire? Et il y a quelques aliments qui sont capables d'empêcher la reproduction des microbes. Quelques aliments qui sont capables de permettre à ce que et microbes là les mêmes les pas reproduits et là il y a une classification de quelques aliments selon son risque épidémiologique. Dans le risque épidémiologique, il y a un risque qui est plus gros, un gros risque, et puis nous sommes capables de dire qu'il y a un risque qui est moyen, et puis il y a un risque qui est bas, ça veut dire qu'il y a un petit risque. Et là, il a commencé par nos activités pour nous capables, c'est-à-dire questions pour nous capables de répondre. Première question, c'est définition concept hygiène. Notez-le en l'air. Il a défini pour nous. OK? Et guia ça, c'est un guia qu'on a fait dans une feuille papier. Nous pas faire dans la même feuille ça parce que feuille ça pas l'espace, mais on a fait dans une feuille blanche, dans une feuille cahier, mettez non, mettez classe qu'on y a si c'est tel niveau. Basico A, nan mette A, si c'est B, nan mette B, et puis non professeur, et puis numéro qui a, c'est très important, c'est qui a 3. OK? Deuxième question, qui y a demandé pour nous dire, selon nous-mêmes, qui ça qui nettoyage? Selon nous-mêmes, qui ça qui nettoyage? Troisième question, il a dit que pour quand même expliquer brièvement, qui ça contamination à lui-même lié? Qui ça contamination y est? Il y a un risque physique qui s'allie, il y a un risque chimique qui s'allie et il y a un risque biologique qui s'allie. Quatrième question, je dis que cela fait référence avec situation quotidienne dans la cuisine, non? Je dis que qui côté et qui produit contamination biologique, selon là, nous faisons référence à la cuisine, nous, qui côté qui produit contamination biologique. Question 5, je dis que pour nous capables décrire trois aspects importants dans laver mains. Trois aspects importants dans laver mains. Question 6, je dis que pour nous capables citer trois étapes qui sont obligatoires pour nous capables réaliser nettoyage sanitaire. Trois étapes qui sont obligatoires.
dans la réalisation du nettoyage sanitaire. OK? Et question 7, là, on a cité trois types d'aliments qui sont capables d'empêcher la reproduction microbiale. Question 8, lorsque nous faisons référence à la classification des aliments selon le risque épidémiologique, eh bien, je dis que petit a, on a cité trois aliments qui sont aliments de alto risque, de gros risque. On a cité trois dans yo. Et puis, on a cité trois aliments de risque qui piba, hein, qui pibiti. On a cité trois. OK. Mais tout ça, nous venons tout en l'air. C'est pas bagaille, nous allons demander, mais tout déjà dans la partie en l'air. Si nous étudions ça avant de répondre aux questions, après, c'est pas très facile. Mais pas mettre tout le texte au complet, mais seulement faire un résumé. OK? Nous continuons. Là, nous avons un autre texte qui dit que ça vectorier. Vectorier, c'est toutes les bêtes qui sont capables de transférer maladie, qui capable porter une maladie. Par exemple, rat, souris, tout ça, on peut considérer comme un vecteur. Je dis que, et pour qui ça? Et proliférer, ou bien multiplier, reproduire les vecteurs. Pour qui ça? Vecteur eux-mêmes, ils yo reproduit, ils multiplient. Rat, yo souris, yo, pour qui ça? Ils toujours gagné la caille, non? Ça, c'est une question à choix multiple. Hmm? OK? Eh bien, dans l'exemple DA, il y a parlé de vecteurs. Je dis que il y a un exemple rat, raton, qui c'est vecteur. Hmm? Donc, ça, c'est vecteur. Il y a une raison qui permet à ce que le vecteur toujours a multiplié. Il y a ces raisons ça. Pardon. Il y a ces raisons ça. C'est parce que nous manquons faire assez haut, hygiène dans la cuisine, nous manquons de disposition pour nous capables de jeter, donc ça qui n'est pas bon. Yo. Et en présence des fatras, résidus organiques autour et la caïno, ainsi de suite, c'est raison ça qui permet à ce que. C'est toute raison ça qui fait vecteur même yo a multiplié. Là il y a non 6 raisons qui fait vecteur toujours a multiplié. Mais ça veut dire rat souris. C'est raison ça qui fait toujours gagner la caïno. OK? Et là il y a non quelques vecteurs. Par exemple, il y a quelques vecteurs, mouche c'est vecteur et ravette c'est vecteur, cucalacha c'est ravette, mosca c'est mouche. Tout ça c'est vecteur qui est capable de porter maladie. OK. Là, yo ba nou yon lot de voix pour nous faire. Yo dit que qui ça yon vecteur? Nous te joine définition vecteur en l'air, hein. Yo te ba nou définition vecteur. Hein? Ça définition vecteur. OK. Une activité avant de qui ça yon vecteur? Yo dit que pour nous capable citer trois vecteurs que nous connaît. Nous avons trois vecteurs là. Nous avons mouche, nous avons ravette, nous avons raton, nous avons rata, tout ça, c'est vecteur. OK. Il dit que pourquoi il est important pour nous contrôler les vecteurs? Pour qui ça est important? Pour qui ça? Et nous avons cité trois raisons qui peuvent être parce que vecteurs eux-mêmes, ils ont proliféré. Ça veut dire qu'ils ont multiplié, ils ont reproduit. En l'air là, on prend raison, là on prend trois raisons dans ça. C'est dans ça là. On prend trois raisons pour capable répondre question ça. C'est très très facile pour nous capable résoudre ça et puis le plus tôt possible fin résoudre voyez le by professeur à travers classroom ou bien sous email ça. Email professeur Kosina pendant que on fait différence qui classe par est-ce que ou c'est tel niveau A ou bien ou c'est tel niveau B et si on suit que yo ba nou quelques réponses là parce que yo toujours fait ça dans chaque guia yo ba nou particulier solutionnario ça veut dire yo ba nou quelques questions et nous être très très attentifs pour nous capable saisir
tout ça, professeur même, vous voulez collaborer avec nous. Bon succès à vous tous. Ciao, ciao.